Mais Sakura, c'est... Max et... Morgane et... Rosalys. Salut. Aujourd'hui, on fait une ouverture Pokémon. Allons-y. Aujourd'hui, on a donc deux packs. Deux packs. Un pack Silver pour Max V et un pack... Ronflex V. Mon Pokémon préféré. Alors c'est parti, tu commences Max. En fait, mon Pokémon préféré avec Canard Pichot. Je ne sais pas lequel je préfère. Alors, Silveroy qui est apparu dans l'extension de Pokémon Épée et Bouclier. Une extension. Dans le DLC. Oui, ils ont fait une extension. Mon Pokémon Épée et Bouclier. Tout à fait. Donc, c'était en 2020 qu'on a découvert Silveroy. Ah. Silveroy qui existe en deux formes. La carte V. La carte V. La carte géante. La carte géante. Voilà. Et super classe. Silveroy, cavalier d'effroi. Oh. Et donc, tu as quoi dedans en fait comme booster? Tu as des boosters de plein de types différents. Ah ouais, ils sont pas tous voilà, pareils. De 4 séries différentes. Reine de glace, style de combat, Soleil et Lune, tiens, pour une fois. Ultra prisme. Je crois que c'est le premier qu'on voit. Ah ouais, je n'ai jamais vu du prisme. Et enfin, épée et bouclier, reine de glace. Okay. Il y a deux reines de glace en fait, voilà. Ok, bah tu ouvres en premier. Reine de glace. J'ai commencé. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, voilà. Ah non, mais ça va, ah c'est bon. Ah non, mais on va avec. Ah, on va la carte, c'est pas grave, sur la première, c'est pas celle la plus critique. Voilà. Alors, on montre le code. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Les deux, tu le mets tout en haut. Au-dessus. Ouais. Voilà. Ah oui. Parfait. J'avais déjà oublié entre temps. Alors, Blizzy. Tout à fait, de Galar. Donc là, c'est Pokémon épée et bouclier. Forcément, je ne le connais pas. Tu le connais peut-être hein? Polychambre. Oui, je l'ai déjà vu. Smogogo. Non, Smogo, cette fois-ci, il s'était fait avoir avec son évolution. Mais en même temps, je crois. Oui, bon. Lui, il est mignon. Rongourmand. Je vais dire les noms, en fait. Parce que je suis un peu... Énergie. Énergie quoi, ça? Énergie de type, je ne sais pas. Parce que c'est pas psy, c'est ténèbre peut-être. Oui, c'est ça son nom. Scoboïde. Oh, l'évolution du starter. Badabouin, mais je crois que je ne l'ai jamais vu dans le jeu. Ouais, parce qu'on n'a pas pris ce mais starter. Non. Je sais bien. Ah, Dylan, ça je me souviens donc, quand on a fait tout Pokémon épée et bouclier. Je me souviens très bien de ce personnage-là. La carte rare, la carte, une des cartes rares, c'est donc Agatha. Mmh. Okay. Et ensuite, wow, oh Momartic. Il est en chromatique. Il est beau. Et super. Je crois que. Évolution de Stalgamon. Ah bon? Et je crois que Mamie veut faire une incursion dans ta vidéo. Oh ouais. Que se passe-t-il? Une ombrelle? C'est quoi? Une ombrelle? Une petite apparition. La boîte Ronflex V qui est du coup, on va le voir avec Ronflex déchiré. En détail. Ouais, c'est horrible. Ça fait mal à mes oreilles. Pourquoi tes oreilles? Bah, j'aime pas déchirer comme ça, je voudrais garder tel quel. Bah, bon. C'est pas les oreilles alors. Alors, on ouvre. C'est pas comme ça. Ouais. Mais ça marche quand même. Ah! Ça fait plus de bruit. Voilà. Ah, du coup, on a le code. Ouais. C'est fait. Et donc, la carte spéciale, la carte de Ronflex V. Oui. Et la carte géante qui lui est associée. Elle est jolie, dessus. C'est vrai. Et ensuite, là par contre, ah, c'est des séries différentes. Ah, on ouais. a deux. Épée bouclier évolution céleste. Ouais. On a un épée bouclier voltage éclatant. Et enfin, un soleil et lune éclipse cosmique. Ah bah tiens. Eh oui. Bon, alors on va garder les plus anciens en dernier. On va commencer par ceux qu'on avait déjà eu l'occasion d'ouvrir sur la chaîne. On va ouvrir un peu d'évolution céleste. Ok.
code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Non, j'ai pas l'impression que ce soit spécial, mais on ne sait pas. Alors, on commence avec Solochi, puis Pitrouille. C'est bien un Pokémon de... Je mange la citrouille en ce moment. D'Halloween. Carvana. Et je crois que je me suis trompé tout à l'heure. Je crois que nous avons une spéciale après. Oui, je vois ça. Ouais, je crois qu'on a une très spéciale. On a aperçu. Côté. Ouais, le côté. Tournicoton. Tournicoti, tournicoton. Passe rouge. Moi, juste une carte V. Énergie de type O. C'est bien possible. Un jouet attrapeur. Ok, pourquoi pas. Hippodocus. Ok. Aquaquac. Et là maintenant. Oh, joli. Entei. Du coup, très en joli. Entei en reverse. Et ensuite. Eh bien, tu as raison. Je me suis bien planté hein, sur. J'ai mes doigts qui sont pas. J'ai mes doigts qui sont pas du tout. Hein. Ils sont pas réveillés, hein, on va dire. Carte V. Oh, oh, Charmina en V, la classe. Pokémon de type combat. Elle a rien de spécial la carte. Mais je sais. Je sais pas pourquoi. Regarde, touche. Je me suis fait avoir. D'habitude, je suis capable à vous toucher en fait, à détecter. Mais là, j'ai pas réussi. Les cartes mutées. Ah, bah c'est super. Très cool là. Alors maintenant, que vas-tu choisir? Reine de glace, le deuxième. Deuxième Silver Roi. Silver Roi, cavalier des froids. Il a deux formes en fait, Silver Roi, ce qu'on apprend. Il a deux formes. Là, c'est la forme qui est dite cavalier des froids. Ah. En fait, dans le jeu, tu as la possibilité de choisir la forme qu'il va prendre. Donc, c'est un Pokémon légendaire. Alors, comment tu trouves? Comment tu sens? Est-ce que tu as essayé? Tête. Tête. On va voir. Oh, Obani. Krabagar. Polygon. Gringolem. Wistempo, bah, tout à l'heure, tu as eu son évolution. Ah. C'est un starter. Et du coup, en fait, ici, tu as une énergie de type. Soleil. Adrian. Casque costaud, on dirait le casque d'Astérix. Krabomina, bah, c'est la reverse, non? Ah non. Ah ouais, et dis donc, Chifourse. C'est Chifourse. 1000 points. Donc Chifourse, lui aussi, est issu du DLC. Mais c'est Pokémon lui qui est issu du DLC, mais par contre, lui, Silveroy, il est dans le jeu de base. Non, en fait, il y a eu un DLC en deux moments. C'était le DLC de février, d'avril, Silveroy, et Chifourse, c'était le DLC de juillet. Non, c'est le contraire. Silver Roi, enfin bref, vous rappellerez, on les a découverts tous les deux dans le DLC de 2020. Ok. Bon, moi, il n'y a rien derrière. Hein, parce que... Ah, bah, c'est vite. Bah, non, il n'y avait rien. Hein. Rien. Ah, bah, alors, tes doigts non plus, ils ne sont pas. Bah, je ne sais pas, j'ai dit peut-être, j'ai pas dit ça. Alors, j'ai pas dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu ouvres? J'ouvre toujours Évolution Céleste. Ok, vas-y. Évolution Céleste. Là comment quelque chose. Alors, de toute façon c'est pas ici. Mince, j'ai failli. Voilà. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Je dirais rien. Ah Zorua, c'est bien, c'est aussi un Pokémon un petit peu Halloween, c'est marrant. Exagène. Chlorobule. Chlorobule, c'est cool. Chlorobule. Grelasson. Pas froid. Soporifique. Tout va bien. Énergie de type, je ne sais plus. Acier, merci. Jouet attrapeur. Heureusement que vous avez essayé. Rien. Roy. Roy, c'est un des dresseurs très en vue dans Pokémon épée et bouclier. Seracrawl. Seracrawl, je me souviens très bien qu'on l'a tiré. Ah, c'est pas mal en reverse. Vigoroth. Vigoroth. Et après
Bon, tu vois, c'est une carte. Du coup, avec une étoile, c'est une carte rare. C'est Scarabrut. Ouais. 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 Rien. Pas grand chose, là. Du coup, tu me prends le booster qui est de Pokémon. Épée, bouclier, style de combat. Mm. C'est qui sur la couverture? Je sais plus quelle est. Ah, c'est Chifours. C'est Chifours dans son deuxième mode. Mm. Donc, c'est pareil comme pour Silver Roi. Il y a deux versions qui existent de Chifours. Ah, je te casse encore. C'est pas grave. Oui. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu sens quelque chose? Je sais pas, reverse. J'ai plus ce que t'avais dit. Archéomir. Cornèbre, ça t'as dû en attraper dans Pokémon Go. Oui, bah, c'est un classique. Hippotrempe. Xeribou. Excellent. Ça, je me rappelle avoir couru pour en attraper dans Pokémon Go. Ah, énergie type feuille. Recycleur d'énergie. Ouvrifier. Ouvrifière. Tecturne. Ah, du coup, c'est ouais, la Reverse. C'est vraiment ça. Moyade. En fait, Reverse, tu vois, c'est quand il y a un effet, mais au contour. Je crois que c'est. Et à l'intérieur, c'est quoi? C'est holographique. Alors, il n'y a rien. Bon, bah, t'as bien sorti. Mais je crois. Malamment. Vraiment, c'est là que je. Je sais plus. Alors c'est parti Morgane pour... du coup je vais prendre toujours Pokémon épée bouclier mais ce coup-ci voltage éclatant. C'est la première fois que j'en ouvre, moi j'ai pas eu l'occasion d'en ouvrir. Voltage éclatant. On a vu que je m'étais trompé, je n'avais pas ouvert du bon côté, mais c'est pas grave parce que c'est pas une spéciale. Il y a un truc, non, je vais... Ah tiens, on a tout de suite le code ici. Mmh. Ok. Comment ça fait? Mais c'est bizarre. Et là, ils sont trompés, il y a deux cartes rares. Je pense que c'est une carte normale, on va voir. Ah. Rototope. T'as vu, là, on dirait que c'est une... Une poupée. Une poupée, ouais. Chuchmur. Il est rose, d'habitude. Ningal. Oui, c'est vrai. Ah, dans le Pokémon Go, ils sont roses. Axolotl. Crémy. Je connais pas. Énergie de type point. Minotaupe, qui est l'évolution de Rototaupe. Rhinolove. Oh, c'est marrant parce que c'est chauve-sourire que Rosalie n'aime pas du tout au départ. Oui. Motisma, drone. Enfin, tu veux un drone Motisma de... Alors la reverse, c'est... Oh bah tiens, on a eu Chuchmur en mode normal tout à l'heure. Et là maintenant on est en reverse. Et pour finir, c'est une carte normale. Oh, noix de coco. Noix de coco. Le dernier paquet. On espère que tu aies des choses incroyables. Ah, c'est là qu'elle a fini le. La carte. Bon, voyons voir. Laquelle qu'il faut tester. C'est la toute dernière. Comment tu sens la toute dernière? La toute dernière, c'est celle-là ouais. Qu'il faut tout. Aucune idée. Je crois pas qu'il y ait grand-chose. Gricknot. Roselia. Ça aussi, tu dois en avoir dans Pokémon. Oui. Torticus, il était dans notre voiture. Tu te souviens? Oui, il faisait que de bouger. Voilà. Cradopo. Cradopo. Encore? Gricknot deux fois? Sérieux? Ah, c'est pas le même. C'est marrant. Ah, c'est pas le même dessin? Non, c'est pas le même dessin. Non, pas avec la même attaque. Mais c'est le même Pokémon. Le même Pokémon. Énergie type O. Magneton. Gouroutan. Mmh. Alors, après c'est la reverse, après la gauche. Ok. Grodrive. Oh! La Boreille! Oh là là, trop mignon! Et enfin, Pangoléon. Bon, moi, t'avais bien senti la dernière n'avait rien de spécial. Rien. Bon, on va finir avec Pokémon
Soleil et Lune, éclipse ouais. cosmique, c'est très joli avec ici tous les petits Pokémon. Ouais. Togepi, il est peint en chocolat fait par mon frère. Non, c'est lourd. Non, pas facile à ouvrir. Ok. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon alors, touche. Pronostic. Touche. Rien ? Rien, je pense. On va voir. Oh, Wailmer ! J'aime bien Wailmer. Scalpion. Togedemaru. Vous avez dit, ça aime bien Togedemaru, on en a même une peluche. Cracnoa. Ah. Flabébé. C'est pas grave, j'ai pas spoilé une carte vraiment critique. Énergie. Ondine et Olga. Oh, une carte avec Ondine. Ah ouais. Et t'as vu, à l'époque, c'est les attaques GX. C'est les Pokémon GX encore. Hein. Clément. Ok. Mikiki. Mimiki. Morgane. Fatigué. Mimiki. Tu sais, en plus, je me suis dit Mikiki. Je me suis dit, mais c'est mal traduit. Mais pourquoi il doit appeler comme ça? En japonais, c'est Mimiki. Oui, c'est pour ça. Scalpion. De nouveau. Deux fois. Encore. Ah, mais c'est qu'il est en reverse. Hein. Ouais. Faut le chercher. Hein, ouais. Et enfin. Et rien. Oursaring. C'est rien, c'est rien. Ok, maintenant on passe à l'étape. Quelles sont vos cartes préférées? On commence les cartes préférées de Max. Alors. Entre guillemets. Entre guillemets. La forêt. Sa section où je l'ai dit. La forêt que je trouve super mignon en reverse. Voilà, du coup, c'est une carte holographique Momartic. Chifour, s'il est classe. Chifour, c'est en version 1000 points. Et le Silveron en V. C'est juste pour dire, comme il y en a deux, il y a une autre carte Chifour qui existe. Ok, maintenant, les préférés de Morgane. Chichemur. Est-ce qu'il est mignon? Ah bon? On entend. Il pleure. T'as entendu comme il a rigolé, Max? Entei, parce que ça me rappelle des raids Pokémon, Pokémon Go. Go, évidemment. Et un point final. Ouais, j'étais content d'avoir tiré une V. Oui, c'est vrai. Donc, c'est rien. Même si je n'avais pas sorti, oui, je sais. C'est bon. Bon, et puis la dernière, bah, évidemment, Ronflex V. Bah oui, quand même. Trop cool. Ronflex, c'est toi. Ronflex, c'est moi. Super. On espère que ça vous a plu. Mettez un like. Et abonnez-vous. Bye bye. Bye. C'est moi. Quoi? Non. Je crois que c'était le moment.